savez ce qui s'est passé le 11 novembre 1918 ? Oui, il y a des gens qui se sont battus pour la France. T'as eu quelqu'un dans ta famille ? Mon papy, il avait son papa. Son papa, puis, donc. Il défendait la France et puis les Allemands, ils l'ont pris puis ils l'ont tué. 11 novembre, jour du souvenir. À Saint-Laurent-Blangy, les cérémonies ont commencé au cimetière allemand où l'adversaire d'hier ont été honorés. Après l'hymne allemand a été joué l'hymne européen, symbole de la réconciliation. Nos alliés anglais ont aussi été honorés avant que la délégation ne se rende au cimetière pour un dernier hommage et drapeau à la plaque des anciens combattants de l'UFAC. Puis la foule s'est rendue en cortège du cimetière à la place de la mairie, où devant le monument aux morts se sont déroulées les cérémonies rendant hommage aux combattants français. Cette année, la cérémonie a été émouvante car pour la dernière fois a eu lieu le salut au drapeau. Ceux-ci ont rejoint la vitrine aux souvenirs dans la mairie de Saint-Laurent-Blangy. C'est devant une foule nombreuse et en présence des représentants des associations des anciens combattants que la vitrine des souvenirs a été dévoilée. Cette vitrine est un hommage à tous ceux qui ont connu les guerres du XXe siècle à travers des symboles forts.